Bonjour à tous, Virgile et Milo. Portail WAG Endurance, la petite séance du jour. Voilà, donc séance cardio, circuit, training, je leur dirai de nouveau dès que tout le monde sera là. Avancer ou confirmer au niveau des exercices, attention cardio, ça risque que de monter. Donc bonjour aux premiers arrivants, à la première, au premier, Simon. Salut Simon, j'espère que ça va bien. Voilà, on va bientôt aller... bientôt, doux euphémisme, c'est ça? Ouais, bientôt en montagne, donc bonjour à tout le monde. Voilà, ça arrive gentiment, désolé pour le petit retard. J'avoue que je suis réveillé il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc c'est gros dodo, premier gros dodo de tout le confinement. Voilà, d'habitude, réveillé à peu près 6h30, 7h, là... Grosse matinée, c'était mon dimanche. Voilà. Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui, hein, circuit cardio training ou cardio circuit training. Donc toujours pour avancer à confirmer les débutants. Attention, hein, parce que ça tape très fort dans le cardio. Ça dépend des intensités qu'on donne aussi à son activité. Si tu y vas à fond, alors c'est sûr que là le cardio il va monter, d'accord, hein. Normalement c'est le principe du circuit, c'est qu'on va à fond sur l'ensemble des exercices pour pouvoir avoir une dépense énergétique élevée. Voilà, donc on appelle ça aussi un brûle-graisse, d'accord. Évidemment c'est toujours en fonction de ce que tu manges, parce que si tu t'es enfilé une raclette, une tartiflette, plus, je sais pas moi, un gâteau aux amandes, c'est sûr que le lendemain, pour dépenser tout ça, faut y aller à fond. Hein. Justement pour la nutrition, moi je vois plutôt sur la semaine, sur 7 jours. Qu'est-ce que je mange sur 7 jours et quelle est l'activité que j'ai sur 7 jours. Voilà, donc la balance énergétique, hein, je mange plus, moins d'efforts, je stocke. Équivalent, bah, je stagne, je dépense plutôt comme ça, plus que ce que j'ai mangé, je perds du poids évidemment. Les abdos ne feront jamais perdre du poids, d'accord, hein, il faut qu'il y ait un cardio pour perdre du poids, on doit brûler les graisses. Et donc comme on parlait en plus des 80%, les 80% en dessous de ces 80%, entre 60 et 75% à peu près, hein, il y a des exceptions et 80% de la fréquence cardiaque max, d'accord. Et ben, on est surtout sur les filières lipidiques, d'accord. Petit coup de gueule par rapport aux trailers et surtout à ceux qui vendent les barres énergétiques glucidiques. On ne nous dit pas tout, d'accord. Donc non, même trêve de plaisanterie, c'est on est, nous, sur des très longues distances sur les filières lipidiques, d'accord. Donc moi, je mange des choses, entre guillemets, un petit peu plus grasses pendant les courses, genre des amandes, parce qu'il y a des bons apports. Voilà, donc ça, c'était pour le petit côté, pour les trailers et les courses longues, hein, même pour ouais, le marathon, c'est encore discutable, mais pas trop de sucré. Voilà, ça apporte de l'énergie, mais ça dépend de la filière qu'on utilise quand on va courir. Un 10 km ou un ultra de 200 bornes en montagne, c'est pas la même chose par rapport à la nutrition, hein. Voilà, on pourrait peut-être en reparler un petit peu plus. Voilà, c'est juste des conseils personnels. Donc aujourd'hui, comme on a un double téléphone, parce que je l'ai aussi sur le mien, hop, le petit timer, donc on va entendre des petits bip bip. Voilà, très bien. Donc aujourd'hui, circuit cardio training. Donc la petite parenthèse, je l'enlève. 30 secondes de travail, 10 secondes de récup. Donc on a augmenté de 10 secondes le temps de travail. Donc vous faites très attention aux débutants par rapport au cardio ou ceux qui ont un cardio qui monte très 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 vite. Faites attention à ça. Je vous rappelle que la période souhaite plutôt en 80%. Moi je vais pas y aller à fond, je vais élever un petit peu mon cardio, même si je me sens en bonne santé. J'ai pas envie non plus de me mettre en insécurité, en danger en ce moment. Donc je vais respecter... assez bien, c'est 80%. Moi, c'est simple. Si j'arrive à parler audiblement en étant essoufflé, je suis dans ma proportion des 80%. D'accord? Par contre, si je monte plus haut, ça va être compliqué de parler. Donc, je pense que tu en as assez de m'entendre. Donc, je vais mettre de la musique. Voilà. Donc, Virgile et Milou pour la séance cardio circuit training. Allez, c'est parti pour tous. Et en effet, aujourd'hui, hop, j'ai pas trop regardé qui était là, j'ai plutôt parlé. Donc, salut Hakim, Yvan, Nathalie,
Voilà, parfait, Delphine. Allez, c'est parti. Voilà, j'espère qu'on entend assez bien la musique. On a ouvert la porte, fenêtre, enfin plutôt la fenêtre. Je pense que la porte-fenêtre aussi, on va l'ouvrir à un moment donné parce que je pense qu'on va bien chauffer. Le petit pas habituel pour commencer. 4, 3, 2, 1, allez, le petit pas. Donc bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Toujours la chaîne YouTube de la loi d'endurance pour revoir les séances éventuellement. Pour ceux qui n'ont pas Facebook, vous pouvez donner l'information. Je vais baisser un tout petit peu. Voilà, ah, ça sera pas mal. Ah ouais, Milou, elle était toujours sur les rythmes, c'est parfait. Pas mieux. Eh ouais, pas mal, hein. Pas de coordination, mais bien dans le tempo. Voilà, allez, hein, toujours les 5 fondamentaux, le bassin, le bas du dos en neutre, légère courbure naturelle au niveau du bas du dos. Puis après, tu fermes les portes, hein, d'accord. C'est arrêter d'aller à la selle, arrêter de faire pipi pour le périnée. Transverse rentrée, hein, omoplate plate, voilà, bien solide. Allez, les bras sur le côté. Voilà, moi je lève pas trop parce que j'ai la fenêtre juste à côté. Sinon, hein, tu peux ouvrir un petit peu plus, mais sans pincer le dos. Toujours les omoplates plates, solide. Et tu pointes le pied côté, descends légèrement sur ton appui. Alors aujourd'hui, 3 blocs. Bloc 1, bloc 2, bloc 3 évidemment. 4 exercices sur le bloc 1, 4 exercices sur le bloc 2. Puis après, tu as un seul bloc de 3. Je vais recommencer. Le bloc de 3, lui par contre, il aura 8 exercices. Allez, le bras, le coude devant. Hein, et tu l'emmènes un petit peu plus haut et légèrement devant le visage pour commencer. D'accord? Ah, voilà. On pourrait même l'appeler la ligne brisée. Parce qu'après, on va faire la ligne droite, vous allez voir. Donc là, c'est toujours le coude devant. Ok? Très bien. Allez, les petits cercles avec talons-fesses. Attention derrière la chaise. Voilà. Aménage bien ton espace, n'hésite pas à prendre de l'espace, c'est bon. Donc après, sur le bloc 3, on va reprendre les exercices cardio dans le même sens. Et puis on a rajouté, j'ai rajouté des petits exercices intermédiaires à chaque fois. Un cardio, un renfort, aussi bien sur bloc 1, bloc 2 et bloc 3. Allez, avec les deux mains, toujours talons-fesses, une main devant, puis l'autre. Ah, voilà, toujours les 5 fondamentaux. Très bien, montez le genou, le coude. Voilà, on est pas mal pour se réveiller. Allez, je rappelle qu'aujourd'hui, je me suis réveillé super tard. Allez, encore. On va bientôt doubler le monté de genoux sur la même jambe. Donc toujours après le décompte. Voilà, on va bientôt arriver pour le décompte. 4, 3, 2, 1, et 2, donc, côté. Tu te stabilises correctement sur la jambe d'appui. D'accord? Aligne cheville, genou, hanche, épaule. Très peu de poids du corps sur la jambe qui part au sol. Voilà, par contre, celle qui en appui, elle a l'ensemble du poids. Avec toujours les 5 fondamentaux, s'il te plaît. Très bien. Et la même chose en talons-fesses. Et 2. Et 2. Donc attention, hein, à l'aménagement de votre maison, je le répète à nouveau, mais ça normalement c'est déjà un acquis pour tout le monde. Voilà, donc pour les nouveaux, aménagez votre espace. N'oubliez pas d'ouvrir la fenêtre aussi, parce que déjà à la maison il fait chaud. Et en plus si tu rajoutes du cardio, je t'en parle pas. Très bien. Allez, descends sur les jambes, fléchis, remonte, je descends très peu. Très peu, je descends parce que je suis là pour me chauffer. Ça sert à rien déjà de descendre super bas. Allez, on chauffe les articulations. Contraction fessier pour emmener les jambes sur les côtés. D'accord? Or, c'est pas vraiment côté-côté. Hein. Si les genoux partent bien dans l'axe avec une bonne distance l'un de l'autre. Ok, très bien.
Allez, encore un petit dynamique devant. Reviens. Devant. Reviens. La fente. La fente. Ok. Là. Toujours le genou de devant au-dessus de la cheville. Genou arrière qui m'emmène en bas. Ventre. Le ventre. Ton alignement jambes. Genou, hanche, épaule. À chaque fois. On est pas mal comme ça. Voilà. Allez, marche sur place. Pardon, marche sur place. J'allais partir sur le petit pas. Tourne les épaules. Alors, je rappelle que moi, je préfère emmener les épaules vers l'arrière et vers le bas. Pour aller vers le bas, c'est les omoplates. Ok? Ça marche. Salut Romain, comment tu vas? Allez. Super. Le petit pas côté. Et. Descends un peu plus sur les appuis. Donc si tu suis tous les jours, je pense que tu dois bien ressortir les muscles. Allez, donc courage. Aménagez-vous des temps de pause aussi hein, dans la semaine. Ou faire des exercices un petit peu plus tranquilles. Voilà, aux gens, enfin cette semaine en tout cas, le pilate, il n'y aura que deux cours. Point de côté, descend assez bas. Voilà. Allez, ne bouge pas le bassin toujours face à ton écran. À moins que tu aies mis ton écran sur le côté, mais... Allez, toujours face au mur. Et même bras, même jambes, solide avec le haut du corps. D'accord? J'adore les chamallows, mais tu n'es pas en position chamallow, tu n'es pas tout mou. Souple et dur à la fois. D'accord? Solide. Voilà, faut que quand quelqu'un te regarde, il ait envie de te suivre. Ah, on doit être beau et belle à regarder. Très bien, les deux bras et pointe, descends bien sur ton appui un petit peu plus que tout à l'heure, commence à être un petit peu plus chaud, donc les articulations chauffent, tu peux aller un petit peu plus bas, très bien, attention derrière toi, pointe le pied, voilà j'avance un petit peu pour laisser de la place à ma partenaire, et les bras, paume de main qui se regarde. Parce qu'on va monter les épaules un peu plus haut, les coudes devant, et là-haut, donc dans l'alignement, hein. Donc tu pointes derrière, les bras si possible dans l'alignement du corps, ou légèrement devant, hein. Allez, et les coudes serrés, hein. Pas les coudes sur les côtés, coudes serrés le plus possible, écart, épaules, très bien, on va reprendre le petit pas, marcher sur place, 4, 3, 4, 3, 2, 1 et hop. J'avais un petit exercice, oui voilà. J'avais commencé à le perdre. Donc on va reprendre le petit pas. 4, 3, 2, 1 et. Très bien, tout à l'heure j'avais parlé de la ligne droite. Donc le coude. Et puis on était légèrement devant le visage. Ok. Donc la petite ligne brisée. Là maintenant on va faire la ligne droite. Donc pointe la jambe. Là, descends sur ton appui. La main. Et la ligne droite. Donc tu commences avec le coude devant. Et après tu l'alignes avec ta jambe tendue et le haut du corps. Donc la ligne droite, hein, on est là, ligne droite. Mais toujours solide. Ne tourne pas. Excusez-moi. Ne tourne pas. Les épaules restent toujours face. Et la ligne droite. N'oublie pas d'avoir le coude devant. Allez, pour pas pincer l'épaule. Allez, encore. On va bientôt partir pour des répétitions. Montée de genoux. Moi, je vais aller regarder dans ce sens-là. 4, 3, 2, 1. Pose le pied. Bras. C'est bon. Le dos. Milou, le dos. Voilà. Nickel. Parti pour répétition. Montée de genoux sur la même jambe. 4, 3, 2, 1. Et répète la montée de genoux. Solidifie ton dos, ferme les portes, transverse. Allez, reste en appui sur la jambe de devant. Tu dois être fort au niveau de la hanche, là. La cuisse, genou toujours au même endroit. Voilà. Donc tu as 95% poids du corps sur la jambe de devant, voire même 99, 99% pour nos très chers voisins suisses. La jambe derrière, et tu rajoutes les bras. Coude qui se rapproche du genou qui monte. Ça commence à chauffer la jambe. Bientôt l'autre côté. 4,
3, 4, 3, 2, 1, et l'autre, et hop, et on repart. Allez, t'enchaînes. Donc toujours un cours avancé, confirmé. Faut vraiment avoir l'habitude de travailler le cardio pour ce genre de séance. Sinon, tu t'aménages tes temps de pause. Tu peux faire les exercices indépendamment les uns des autres avec du temps de récup. Hein, tu peux faire temps de travail, temps de récup. Hop. Allez, marche sur place. On est pas mal avec ça. Les ischios jambiers, on va aller les travailler. Donc moi de nouveau, je me remets sur le côté. Hop. Poids du corps sur la jambe de devant. 99%, 99% pour nos Belges et nos Suisses. Là, très peu de poids du corps derrière. Garde la cuisse, toujours au même endroit. Talon, fesses. Allez, garde toujours ta position érigée, statique, avec le haut du corps. Il n'y a que le talon qui bouge avec la flexion de genou dans l'axe. Hein. Allez, encore. Allez, salut Alexia. Courage aux infirmières. Allez. Ah, tu passeras le bonjour à la famille et à ta sœur Marine. Allez, encore. Allez, maintiens. Là, ça doit chauffer. Garde ton dos bien droit à chaque fois. La jambe de devant aussi peut commencer à bouffer. Allez, on va changer de côté. 4, 3, 2, 1, tu tournes. Et talons, fesses. Garde ton genou toujours au même endroit. D'accord ? Évite de trop le bouger. Tu te serres du bassin. Stop. Emmène la jambe derrière. Derrière. Encore. Voilà. Là. Et là, ça bouge pas. Nickel. Voilà. La référence, tu vois, son genou aussi bouge par rapport au mien. Eh ben, tu le cries bien fort. Allez, encore un petit peu. Allez, top. On y va encore. Allez, un petit bloc musical. Et après, on va marcher. C'est bon. On va bientôt stopper. 4, 3, 2, 1, et marche. Partout chez toi. Ça marche. On se retrouve dans quelques secondes. Franchement, ça va être dur aujourd'hui. Ah, voilà, un petit échauffement. Très bien, bloc 1. La corde à sauter, tu peux sauter avec les deux pieds, d'accord. Sur un pied, tu peux faire deux sur un, deux sur l'autre. Comme tu le souhaites, t'as pas envie de sauter parce que c'est compliqué. Pardon, avec les deux mains, ça sera mieux comme ça. En pied monté, deux genoux, pied décollé ou sinon, simplement décoller le talon. On peut trouver des options, hein, comme on le souhaite. Le 1, 2, 3, donc il faudra prévoir le tapis, c'est ce qu'on va faire. On va mettre les tapis en place. Voilà, hop. Très bien. J'espère que je suis assez bien dans le cadre. Voilà, hop. Le 1, 2, 3 au sol avec le genou, toujours les 5 fondamentaux, toujours le creux des reins décollé du sol. J'enroule légèrement. Je cherche l'allongement. Squat sauté. Squat sauté. Ok. Hop, j'ai plus de batterie apparemment. Ouais, j'ai pas à rebrancher. Tac. Désolé, petit problème technique. On va remettre la musique après. Je chante pour l'instant. Non. Ah. Merci. Bon, quoique, ça ferait pas de mal qu'il pleuve un peu. Ça sera pas mal. Hop, très bien. Donc le 1, 2, 3 au sol. Et on aura notre triceps chaise. Donc là, oui, ça fait un petit peu de matériel aujourd'hui. Voilà, il y a la chaise qui va être là. Très bien, on va l'installer là. T'auras ta chaise là-bas. Non, non, c'était bien. C'est bien, comme ça. Parce que là, ça va me mettre dans la tête. Ah non. Voilà. Apparemment, elle veut que j'ai un accident de travail en étant confiné et au chômage technique. Chômage technique, mais t'as un accident de travail. Ok. Donc, hein, je rappelle la corde. Le 1, 2, 3 au sol, tapis. Le squat sauté, hop, hein, jambes tendues, mais attention à ne pas s'exploser l'arrière des jambes quand je tends, d'accord. Et donc après, le triceps sur chaise. La musique va arriver parce que j'ai pas branché le PC, comme c'est un vieux PC, il a que 20 minutes d'autonomie, quoi. Voilà, allez, donc le timer,
spécial Milou. Allez, on va bientôt partir. Voilà, to start. Hop, voilà, on part dans 9 secondes. La corde a sauté, hein. Aménage-toi ton petit espace. Alors moi, je vais être un petit peu coupé. Hop, moi, je vais me mettre là. Allez, hop, c'est parti. Donc, 30 secondes d'exercice, de corde à sauter. Bouge les poignets, tu sautes. Moi, je suis sur pied gauche, pied droit. Même si j'ai les deux qui touchent le sol à chaque fois. D'accord? Très bien. Donc, on est à 15 secondes. Je ne sais pas si tu entends le petit bip bip. La musique va revenir, hein, vous inquiétez pas, 10 secondes encore de corde à sauter. Après le 1, 2, 3. Donc le 1, 2, 3, on a 10 secondes pour se placer. Allez, hop, 10 secondes pour se placer. D'accord, sur le dos. Toujours le creux des reins, les jambes en chaise renversées. Le ventre rentré, les mains derrière la tête, ne tire pas sur la nuque. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sur le 3, tu stops. 1, 2, 3. 1, 2, 3, tu cherches l'auto-grandissement avec ta colonne vertébrale, d'accord? Allez, encore, moitié. Allez, tu descends la jambe là où tu peux. Garde toujours tes omoplates plates. Cherche à t'auto-grandir. La tête enroulée ou posée sur les mains. Garde toujours tes cinq fondamentaux. Allez, debout. Voilà. Squat sauté. Ça marche pour le squat sauté? Hop là, 3, 2, 1, allez top, squat sauté. Voilà, et attention voisin, amorti. Fais attention si t'as ton lustre, Versailles, là-haut. Allez, on est bien, les genoux, c'est ton corps qui amortit, ok, moitié du temps. C'est ton corps qui amortit, c'est pas tes chaussures molletonnées. Allez, c'est toi qui amortis, dès que tu touches le sol, tu descends le bassin en bas. Allez, 3 secondes. Très bien. Ok. Triceps, chaise. Hop. 10 secondes, vite, vite, vite. Installe-toi correctement. Là. Tu longes. Tu descends, tu montes. Alors, tu peux faire des tout petits. Celui-là, il est dur sur 30 secondes. Donc, tu aménages ton temps. Voilà. Des petits exercices qu'on n'a pas l'habitude de faire. Alors, tu peux prendre un lest. D'accord? Et tu peux être là, hein. Pour les triceps, d'accord? Référence, hier soir, hein, les mains en pas content sur les hanches, danse des canards, c'est les coudes bien resserrés, car épaules, et tu tends les sans les bras, super, le premier est fini, il en reste deux, on enchaîne, si t'as un petit peu mal avec le cardio, corde à sauter, hein. Si t'as un petit problème avec le cardio, tu t'aménages des temps de pause, tu peux mettre la vidéo en pause après. Si t'es en replay, c'est pas un problème. Donc tu vois, tu peux être avec les deux. Tu peux être sur deux sur une jambe, deux sur l'autre, en alternance, moitié. Bouge bien les poignets, tu fais attention à ton cardio. Allez, encore. Voilà. 3 secondes. Très bien. Allez, le 1, 2, 3 au sol. Voilà. Super. La musique va reprendre. Allez, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sur le 3, tu stops. 1, 3. 1, 2, 3. Tu descends les jambes là où tu peux. Mais tu gardes le dos toujours en neutre. Donc le tunnel pour ta coccinelle. Omoplate plate, ventre rentré. D'accord, cherche l'auto-grandissement, mais pas la hauteur. Sinon, ça tire dans le bas du dos. Mais si tu respectes tes steps, si tu respectes tes 5 fondamentaux au sol, tu ne devrais pas avoir mal au niveau des lombaires. Squat sauté. Ah. Voilà. Alors, moi, tu vois, j'évite d'utiliser les bras pour décoller. Ok, hein. Voilà, on est ici. Donc si les 10 gourons me regardent, hein, pour le saut en hauteur, ce qui peut être bien aussi, c'est lever les bras pour aider à soulager le poids du corps sur les jambes quand on saute en hauteur entre autres. Et c'est légèrement différent pour la perche aussi. Hop, mais j'ai adoré ta remise. Après on reprend le triceps chaise. Donc il dit ouais, reconversion, triathlon après. Après le train,
passé du très dynamique, alors qu'il a fait des années sur du très long et très endurant. Je trouve ça très très fort, surtout à nos âges. Excellent. Voilà, moitié, triceps. On va finir notre deuxième tour sur 3. Aménagez-vous des temps de pause s'il faut, hein, à chaque fois. Je rappelle que là, on va à une vitesse moyenne, là où on peut. Faut pas trop que le cardio monte, on est encore capable de parler. Allez, dernière série de notre bloc 1. Hop, la corde a sauté. Très bien. Voilà. Donc, à la position des pieds, hein. Si t'as pas envie de sauter, juste les genoux, désolé. Hop, juste les genoux. D'accord. Sinon, tu sautes moitié du temps. Alors, évidemment, on pourrait être là, beaucoup plus rapide. Hop, des petits sauts. Voilà, on peut le faire, mais est-ce vraiment la bonne période pour ça? Ça, à vous de voir. Surtout ceux qui ont l'habitude du cardio. 1, 2, 3. Tu gardes tes 5 fondamentaux. 1, 2, 3. Allez, tape. 1, 2, 3. Donc tu gardes tes fondamentaux. 1, 2, 3. Le dos décollé. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le tunnel à la coccinelle. Descends là où tu peux avec ta jambe. Allez, rotation. Les épaules vers le plafond. Allez, encore, ne tire pas sur la nuque avec tes mains. Les coudes ouverts. Oh, les coudes ouverts. Moi, on arrive à voir mon visage. Mais lui, on ne le voit pas. On ouvre. Temps de pause. Squat sauté. Allez. Là, c'est bon. 3, 2, 1. Hop. Donc, moi, je mets les mains ici. C'est juste pour avoir les jambes qui travaillent seules, sans que les bras m'aident. À l'élévation, mais j'ai mes 5 fondamentaux. À chaque fois, mon dos amorti. Et arrête d'appeler les voisins quand tu atterris au sol. Pas de taper de pied au sol, amorti. 8 secondes. Allez, encore. 3 secondes. Amorti bien. Ne tape pas du pied au sol. Là, t'as le droit en temps de pause. Ça marche? J'espère que ton petit cœur est encore resté au niveau des... voilà, work. Je ne sais pas. Ah oui, pardon. Écoute. Ça y est, moi j'ai l'habitude de terminer sur du cardio. Et dips, hop, sur la chaise. Désolé. Moi je voulais ma récup. Heureusement qu'il y a un deuxième pense-bête. Ah, donc ne tête pas des jambes. Pour le faire, c'est que les bras qui montent, qui descendent. Et stop. Maintenant, c'est vraiment fini. Désolé. Je vous ai fait une fausse joie. Après, j'ai les oreilles parce que vous avez tous crié pour me dire mais non. Ah, très bien. Donc, la chaise de côté. Je remets le même truc ou pas? Ouais. 12, 30. Voilà. Bloc 1 terminé. Climbers Mountain, les mains. Oui, si tu veux l'option sur la chaise, est-ce que j'ai vraiment besoin de le remontrer? Oui ou non pour la chaise? Vous avez 10 secondes pour me dire oui ou non pour la chaise. Surtout marquez un oui, si c'est vraiment le cas. Sinon, sur les mains, la planche, on court. Je vous montrerai les trois positions. Le rameur, on sera en malococcyx, assis sur le sol. On aura les fentes sautées. Alors là, il faudra un petit peu d'espace. Hop. Fente sautée, d'accord, là, hop, ou sinon, devant, d'accord, tout doux, et donc des abdos classiques, toujours, les 5 fondamentaux, bassin, creux des reins, et omoplate jusqu'à l'attache du soutien-gorge, ça c'est plaqué au sol, alors pas les lombaires, hein. Les lombaires il y a la courbée, on met les appuis là, et au niveau de l'attache, le haut du corps, on l'enroule légèrement auto-grandissement et que contraction abdos, ne tire pas dans le bas du dos. Ça marche pour la récup. C'est un peu redescendu. On va bientôt le remettre. 3 séries à la suite. D'accord. Répétition de 30 secondes, récup de 10 secondes. Donc tu peux aussi prendre ton cardio et te faire 20 secondes, 20 secondes si c'est trop difficile en termes de récupération et que tu veux faire plus la posture qu'autre chose. Tu peux faire 30-30 aussi,
T'as beaucoup plus de temps de récup, sinon on enchaîne sur les 10 secondes. Tout est faisable, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie, c'est pas de moi. Hein. Allez, go. On part dans 10 secondes. Attention. Voilà, 10 secondes. Donc on part sur le Climbers Mountain au sol. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Donc tu peux simplement fléchir les genoux. D'accord. Ou ramener en dessous le corps gentiment comme Milou. Ou sinon tu cours. Ça fait déjà 10 secondes de fait. Maintenant la moitié. Toujours les bras auto-grandissement pour plat plat. Transverse rentrée. Allez encore. 8 secondes. Toujours les épaules au-dessus des mains. 3 secondes. Voilà. Et petit temps de pause. Voilà. Le rameur, tu es assis au sol. Allez, assis au sol. Rameur, tension. Option simple, tu peux tirer juste avec les bras, partir dos bien droit. Donc tu vas en arrière, tu tires. Et j'en profite pour vous parler de l'Etarcos. Je vous mettrai un petit lien, un monsieur trailer qui traverse la mer non, c'est pas la Manche, c'est Atlantique, mer Atlantique, l'océan Atlantique. Ah, donc ça c'était l'option facilité, c'est pas. Donc il traverse à la rame mais l'océan Atlantique. Allez, fin de sauter, fais de l'espace. Voilà. Donc tu peux être ici, en avant, en arrière. D'accord. Hop, voilà, on n'a pas beaucoup de place. Donc toujours les bonnes proportions pour ton positionnement. Genou sous le bassin, genou avant, au-dessus de la cheville. Sinon tu es ici, hop, et tu sautes. Essaye de poser les deux pieds en même temps au sol. Pas le droit, pas le gauche avant l'autre, si possible les deux. Et moi tu vois le bassin, il bouge le très peu possible. Ok, abdos classiques sur le dos. Allez, et on finira donc notre premier cycle. Donc le creux, des reins décollés, ventre entré, porte fermée. Regarde, moi j'enroule façon pilate, ça me tire pas au niveau de la nuque, j'ai l'habitude, je peux rester comme ça. Contraction, abdos, très léger, sur ventre entrée, porte fermée. Si tu mets les mains, tu poses la tête sur les mains, mais les coudes très ouverts, pas ici. Si tu es dans cette position-là, tu as tendance à tirer sur la nuque, tête posée, sinon les bras en croix. Et top. Voilà. Hop. La petite serviette pour éponger. Super, comme ça j'arrive à vous voir. Hop, on est parti, Climbers Mountain. Allez, go. Donc moi je fais la version dure. Hein, tu peux être juste ça, facile. Tout à facilité, intermédiaire ou la course. Alors évidemment, tu peux rajouter de la vitesse. Hein. Le dos bien droit, bassin stable, pour mon plat-plat. Allez, 9 secondes. Allez, encore. Après, c'est le rameur. Je montrerai avec les jambes décollées ce coup-ci. Allez, temps de pause. 10 secondes pour le rameur. Les 5 fondamentaux. Tension au bas du dos. Sinon, tu plantes les talons au sol. La rame, tu décolles. Là, je fais un petit rameur. Tout petit. Juste ça. Tu pousses avec les talons. Tu pousses avec le haut du corps pour t'incliner. Garde le ventre, rentrez, souffle. À chaque fois, on est à la moitié. Allez, attention à ton dos. Les petits mouvements bien réalisés vaut mieux qu'un grand mal fait. Allez, encore. Voilà, 4 secondes. Allez, voilà. C'est pas mal. C'est chaud. Fente sautée. Ou sinon, fente avant en dynamique. Fente avant en dynamique. Ou sinon sauter. Respecte toujours tes alignements. Ok. Épaules au-dessus bassin. Et t'évites de trop bouger ton bassin. Évite de trop monter là-haut. Change rapidement. Si tu montes un peu trop, amorti. Tu vois, si je suis un peu trop, amorti. Moi j'aime bien. Là, rapide, 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 rapide. Hop, vitesse gestuelle. Vitesse gestuelle, déjà entendu parler? Moi oui. Allez, abdos classiques. 3,
2, 1, les fondamentaux. Tu peux ramener une jambe en chaise renversée si tu le souhaites. Stabilise tes jambes en plus. Ok, pointe les pieds, passe au pilate. Toujours la main ou quelques phalanges qui puissent passer. Moitié du temps, bon bras en croix, enroule bien. Ce qui est bien avec les bras en croix, c'est que tu essayes de regarder au-dessus des bras le nombril. Mais toujours en auto-grandissement. Allez, très bien. Dernier tour. Super. Nimbus Mountain. Allez, sur les bras. Chacun son option. Hop, 30 secondes. Tu peux t'aménager des temps de pause. Allez, courage. Je rappelle qu'on peut être aussi sur une chaise. Ok. Ou un tabouret bien solide pour être un petit peu plus élevé, plus facile, moitié. Allez, courage. Bientôt la fin. Il ne manquera plus que le troisième bloc. Après. Temps de pause. Très bien. Donc, on est sur le rameur. Donc, Stéphane Brognard. Hop, le petit rameur. Il lui arrive plein de petits péripéties dans sa traversée de l'océan Atlantique. Hop. Donc, il y a plein de petites lectures chaque jour. Des petits détails. Donc, Milou, version talon sol, tire. Voilà la version un petit peu plus dure. Allez, encore 3 secondes. Dos le plus droit possible. Je commence à arrondir, donc je fatigue. Donc attention. Hop. Fin de sauter. Ah ouais, hein. Ça sent que j'ai dépassé la quarantaine. Hein. Difficile à me relever. Allez, hop. Donc vitesse gestuelle. Au niveau des jambes. C'est eux qui accélèrent. Ces jambes-là. Voilà. Après chacun, sa vitesse gestuelle. Ça marche. Voilà, moi je commence à être très proche de mes 80% de fréquence cardiaque. Voilà. Très bien. En même temps, j'arrête pas de parler aussi. Oh, ça me manque d'air. Allez, il nous reste les abdos classiques. Et on a fini. J'espère que vous sentez un petit peu le boulot. Allez, après temps de pause, tu peux avoir l'option des chaises renversées. Ou sinon, comme Milou, avec les pieds à plat au sol. Ventre rentré, porte fermée. D'accord? Les muscles du périnée, les stabilisateurs de hanche en place, moitié. Voilà, je monte très peu, mais je contracte bien mes abdos. Très profond, petit geste, bien réalisé, qu'un grand mal fait. Voilà, ne gonflez pas le ventre, sinon hernie inguinale pour nous les hommes. Et temps de pause. Wouhou! Allez, ça y est, temps de pause. Il nous reste le dernier bloc. Donc t'imagines ça, si tu le fais à fond, ça déchirera. Ok, allez. Donc, tu peux voir un petit peu si tu le souhaites, évidemment. Donc le bloc suivant. On reprend des exercices cardio qu'on a déjà vu comme la corde, le squat sauté, le climber's mountain et la fente sautée. D'accord, ça bouge pas. On va rajouter le squat diagonal. Je change le truc là. Ouais. Donc là, ça sera 16. Ouh. On va faire le bloc 3. Que 2 séries. Parce qu'on a 8 exercices dessus. D'accord. Donc là, on sera parti pour à peu près 10 minutes 30. Ok. Donc là, si déjà t'es rincé, c'est suffisant pour toi, tu t'arrêtes au bloc 2. Hein, on l'a déjà dit. Si tu veux enchaîner le bloc 3, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Donc le squat diagonal, on va juste mettre l'option des bras le long du corps. Je fléchis, je vais aller chercher ma chaussure sur le côté, dos droit. D'accord? Main opposée, va aller chercher la chaussure. Pas sauter ça. Dos droit, non, diagonal. Squat diagonal. Squat diagonal. Ok, après, on aura le pont. Ok, avec chaise renversée. Donc le pont, hein, chaise renversée. Je fais le pont bien solide et chaise renversée en alternance. Ok, ça marche pour tout le monde. S'il y
S'il y a des questions, n'hésitez pas. Hop, après on est sur le ventre et on travaille les ischios jambiers. Donc je vais décoller une jambe, je la repose, puis l'autre. Et hop, je suis là. Donc tu peux le faire en alternance, sinon tu décolles une jambe et pendant 15 secondes sur la même jambe, sans poser les cuisses au sol, d'accord? Puis 15 secondes, la deuxième jambe. Toujours le talon au-dessus du genou. Donc on a la planche montée-descente. La planche, je descends et je remonte et je change de bras à chaque fois. Ok? C'est bon. Vous connaissez les 8? On est redescendu un petit peu, peut-être un petit peu trop, mais comme je vous l'ai dit, on est en période de confinement. Il faut aussi montrer les exercices. Donc on est parti pour 16 rounds. Rounds. Voilà. Et on travaille 30 secondes, récup 10 secondes. On en a pour 10 minutes 30. Si tu as besoin de faire un temps de pause, tu en fais. Si tu as besoin de t'arrêter à la fin de la première série, c'est comme tu le souhaites, tu peux. Tu aménages ton temps. D'accord? Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Oui. Allez, je mets la petite machine. 10 secondes. Et on commence par les squats en diagonale. Squat diagonale. 3, 2, 1. Voilà. Tu fléchis, squat normal. Tu vas chercher avec la main opposée. Ah, voilà. Tu descends et tu remontes. Donc tu peux le faire tout doucement. Ou tu peux le faire un petit peu plus rapide. Mais si tu mets de la vitesse, tu as le geste juste. Aucun mouvement parasite dans ton exercice. Tu gardes toujours les genoux au-dessus des chevilles, au-dessus des lacets. Fais attention à ton dos, 5 secondes. Allez, dos bien droit. À chaque fois. Voilà. Temps de pause. La corde à sauter. Allez. 3, 2, 1. Corde à sauter. Allez, parti. Donc, deux séries. D'accord? Deux séries de 8 exercices. 4 cardio, 4 renforts. Chacun avec ses vitesses. Alors hop, hein, je pourrais accélérer. Voilà. Tac. Ou plus tranquille. 10 secondes encore. Donc gère toujours ton cardio. Tu peux discuter avec ton voisin ou ta voisine. Savoir si elle a toujours la condition pour. Très bien. Donc on était sur la corde. On fait le pont, la chaise. Allez. Donc position pont. Une chaise renversée. Les 5 fondamentaux. Voilà, là on enchaîne un petit peu. Garde les hanches. Toujours en place. Voilà. Ne affaisse pas tes hanches. Moi j'ai simplement mis mes coudes au sol. J'ai mis mes index sur les oliacs. Et j'essaye de sentir si ça reste toujours au même endroit. Voilà. Petit point de référence. En même temps, c'est surtout pour vous montrer. C'est là que ça se passe. Avec 10 secondes de récup. Ouh. Allez, donc maintenant on est sur les squats sautés. Allez, squat sauté. 2, 1, allez go. Allez, moi je m'esponge. En même temps, alors évidemment tu peux sauter beaucoup plus haut. Hop là, grosse extension. Tout est faisable, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Là, si tu nous trouves la référence, tu auras droit à un bec. Allez, donc les bras en croix, comme le fait Sylvain Milou. 8 secondes, arrête d'appeler tes voisins en tapant des pieds au sol. Dos bien droit, extension de jambes. Très bien. Allez. Le ventre, les ischios. On décolle une jambe. Allez, tu ramènes talon-fesse. Donc je te rappelle que tu en appuies sur l'os du pubis. Décolle le ventre. Rentre ce ventre. Ne va pas toucher le sol. Omoplate plate et on appuie sur cage thoracique bassin. Moitié, change de jambe. Ramène le genou à la moitié au-dessus du genou. Je fais les alternances là. Ouais, fais les alternances. Mais faut s'arrêter à la moitié. Là, tu fais des trop grands coups. Faut contrôler. Hop. Donc, faut contrôler. Faut que ça s'arrête au-dessus du genou. Si tu fais un vrai talon-fesse, c'est mort. C'est pas l'exercice. Okay. Climbers mountain. Allez, hop. On est reparti. Voilà. Allez, on enchaîne.
Si t'as besoin de temps de pause, tu t'en aménages. Allez, encore, courage. Moitié. Allez, toujours la bonne posture, même avec la fatigue. Allez, 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 allez. On maintient, 3 secondes. Solide. Mon plat de catch. Et pause. Voilà. Planche, monte, descend. Donc les coudes. Et tu remontes. Alterne à chaque fois. Prends ton temps pour celui-là. Sauf si tu as les bras hyper costauds. Celui-là, il va être dur. Moitié. Tension dos. Tu peux être aussi sur les genoux. D'accord. Ça tire moins dans le dos. Allez, temps de pause. Ouh. Allez, les fentes sautées. On finit notre premier tour. Allez, go. Ah. Là, voilà. Là, on commence à bien souffler. Ta posture, à chaque fois, porte fermée, transverse, omoplate plate. Mets bien les pieds à plat au sol devant, moitié. Pieds à plat au sol devant. Posez deux pieds en même temps. Et ça commence à être dur. Allez, courage. Allez. Si le cardio commence à sortir de la cage thoracique, tu stops là. Sinon, on enchaîne. Diag. Squat diag. Deuxième série. Allez, descends. Remonte. Tu peux aller un petit peu plus doucement pour refaire descendre le cardio. Là, on rentre dans le dur. Donc si tu as besoin de poser, tu poses. Si vraiment tu n'as pas l'habitude, là tu stops. Ça sert à rien d'aller trop loin. Étape par étape. Sa santé avant tout. D'accord. Bloc 1, bloc 2. Pour les amateurs, c'est déjà très bien avec des temps de repos plus grands. Voilà, temps de pause. Corde à sauter. Cardio, il n'a pas redescendu. Qu'on est déjà en train de repartir. Attention à vous, hein. Allez, corde. Donc vraiment, si t'as pas l'habitude, tu stops vraiment. Ça sert à rien de se mettre en danger. Voilà. Là, on est vraiment dans avancer ou confirmer. Ok. Et encore, le cardio, je le fais pas à fond. C'est pas la bonne période. Et on a quand même des blocs qui s'enchaînent, hein. Voilà, déjà un bloc 1, une fois par jour, c'est déjà excellent. Hein. Hop, après on est sur le pont et la chaise renversée. Hop, heureusement que j'ai le retour de bâton qui revient à chaque fois. Enfin, tu peux mettre les coudes au sol, les index sur les œillets du bassin. Est-ce qu'il bouge? Hein, c'est là à peu près où j'ai ma ceinture. Moitié. Hop. Chaise renversée, genou 90 degrés, fermeture de hanche quand tu ramènes le genou, ouverture de hanche quand tu reposes. 3 secondes, très bien. Normalement, Climbers Mountain, si je ne me suis pas trompé. Non, c'est squat sauté, pardon. Allez, squat sauté, c'est après où on enchaîne un petit peu plus au sol. Allez, les mains en croix, allez, courage. Allez, allez, attention après, avec la fatigue, à pas se faire mal non plus, d'accord? On est déjà sur des répétitions très longues, ok? Donc faites attention. Bloc 1, bloc 2, déjà excellent. Bloc 3, la moitié, c'est très 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 bien, c'est super. Donc, les Climbers Mountain, je suis perdu. Climbers Mountain. Allez. Allez, c'était le ventre ischio. C'est pas grave. On va le faire après. Deux pour récupérer. Allez, le dos. En priorité. Moitié. Après, on est sur le ventre. Allez, les ischio. Allez, courage. La tête qui sort de l'écran. Hop, allez.
Très bien. Ah, talons sur le ventre. Bravo. Voilà. Oui. Décolle une jambe. Le bassin au sol, décolle le ventre. Talons fesses. Mais à la moitié. D'accord. C'est bon, tu contrôles la montée, oui. Avec une flexion de chemise. Si possible. Voilà. Pointé. Le pied, c'est faisable aussi. Change. Décolle une partie ou l'ensemble de la cuisse. Talons fesses. Allez, encore. Contrôle. La montée, la descente. Tu dois garder le talon au-dessus du genou. Ça ne sert à rien de l'emmener au fessier. Très bien. Oulala. La planche. Planche, monte, descend. Ouh. Il en reste deux. Allez. C'est l'avant-dernier. Et après, on stoppe. Prends ton temps. Avec la fatigue. Hop, on crée des gestes parasites. Donc fais attention à ça. Sinon, tu peux être sur les genoux. Si tu le souhaites, c'est plus facile. Attention à pas trop bouger. Donc, le bassin, le moins possible. Et tu poses. Et tu vois, là, ce coup-ci, je l'ai arrêté un petit peu avant aussi. Bon, le dernier, fin de sauter. Allez, c'est le tout dernier. Ouais, 30 secondes. Allez, 30 dernières secondes. On est bien. Voilà. Donc saute pas trop haut. Je sais pas pourquoi j'ai sauté haut d'un coup. Là, moi j'essaye de garder le bassin le plus possible à la même hauteur. On t'accélère. Ah non. Bah parce que c'est la fin. Allez, le dos. Hop. Le voisin il va plus comprendre pourquoi il y a un tremblement de terre. 3, 2, 1, et top. Tirage au sort pour celui qui part à la douche. Allez. Ouh. Tu marches. Marche. Marche. Pour pas que le cœur soit trop à taper dans la cage thoracique. Donc là on est allé loin. 3 blocs. 16 exercices à la fin. C'est chaud. Aménagez-vous des temps de pause à chaque fois s'il faut, d'accord? Temps d'exercice, temps de pause égal 20, 20, 30, 30, d'accord? Vraiment, prendre son temps. N'hésitez pas à poser des questions sur la méthode si vous avez trop de mal, si c'est trop, hein, d'accord? Mais je le répète, hein, jeudi pareil, sur celui-là, avancez, confirmez. Faut vraiment maîtriser son cardio pour faire ce genre d'exercice. Ça marche. On va rester debout. Je vais changer la musique. On entend des tapis ou pas? On peut ranger les tapis. On va rester debout. Avec le cardio, se mettre au sol, ça fait monter le sang un petit peu plus vers le haut du corps. On va éviter. Voilà, on va marcher. Vous pouvez encore marcher, hein. C'est très bien de marcher. Voilà, ça refait redescendre légèrement le cardio. Ça permet toujours d'avoir une activité en marchant, hein, marcher, marcher. Voilà, ou ranger les tapis. Hein. Je vous rassure, hein, c'est souvent moi qui range. Hein. C'est vrai en plus. Et pour une fois, c'est elle qui range. C'est vrai. Mais j'ai pas dit qu'elle était bordélique. Quoique, sur certains points. Hein. Ah là, c'est, dès qu'il y a des sacs de trail, on ne sait pas pourquoi. Hop, très bien, ça marche pour tout le monde. On n'entend pas la musique. Est-ce qu'elle est partie ou pas? Je ne sais pas. Je chante? Non, toujours pas. Voilà, petite musique douce. Que ne me chantez pas ma maman. Je plaisante. Allez. On avance vers l'avant, vers l'arrière. Hop, donc pied au sol. Avance vers l'avant, vers l'arrière pour descendre tout doucement. Retravailler un petit peu les fascias. Hop, donc Kim, si tu veux en parler un petit peu plus sur les enveloppes corporelles. Hop, il n'y a pas de souci. Ou Caro, pareil. Alors, vers l'avant, vers l'arrière. On fait... coulisser un petit peu les chaînes musculaires entre elles. Hop,
puis après de gauche à droite. Alors si vous êtes comme nous, essayez d'être coordonnés pour ne pas avoir les têtes qui se cognent. Parce que la tête qui résonne le plus, c'est celle qui a moins d'intelligence dedans. Faites attention à ça. Hop. Donc tu gardes bien les pieds à plat au sol, genoux légèrement déverrouillés, tu vas de gauche à droite. Tu as tes 5 fondamentaux aussi, hein, 3 sur 10 pour le maintien des portes, du transverse, des omoplates. Voilà. Tu pars en avant, tu fais des cercles. Voilà. Allez, 3 cercles dans un sens. Garde bien tes pieds à plat au sol. Dernier cercle pour moi. Et après, je vais changer le sens de rotation. Je repars de l'autre côté, en arrière, côté, vers l'avant. Je repars, deuxième tour. Voilà, ça dernier. Ça frappe le pompon, je frappe un tour gratuit. Ah oui. Et je reviens tout doucement. Donc tu croises les doigts, tu ouvres la cage thoracique, tout léger. Si tu as envie de faire les étirements dans 20, 30, 40 minutes, tu reprends le replay. Il n'y a pas de problème avec ça si tu veux redescendre un petit peu. C'est aussi un des principes de l'étirement, de faire quelques minutes plus tard ou le lendemain. Inspire, souffle, relâche. Les mains devant, tu repousses l'écran. Et avec les épaules, tu repousses le mur derrière. Garde le bassin toujours au même endroit. Baisse les épaules. Hein. Essaye de ramener les doigts vers toi. Allez, encore. Moi, là, j'ai le ventre rentré. Hein, d'accord ? Transverse. Haut le cœur. On reparlera de ça demain avec le pilate. Inspire fort. Et souffle en bas. Pardon. Et tu reviens vertèbre par vertèbre. Replace d'abord le bassin. Rentre le ventre. Souffle. Tu replaces d'abord les omoplates dans ton neutre. Et tu t'auto-grandis. On est bien. Donc, le flamant rose. Tu peux rester là. On a un flamant rose. Hop, qui a mangé des crevettes. Donc, je descends et j'étire le fessier. Hop, je suis là et j'étire. Dos bien droit. Bascule le bassin vers l'arrière. Très bien. Hop. Donc là, on fait le flamant rose sans les ailes. Mets les mains une sur l'autre, enfin une main sur le genou, hop, tu vois, je perds un peu l'équilibre. Là, la cheville et je repousse pour remonter. Hop, j'ai perdu ma serviette. Hop. Allez, de l'autre côté, pareil, je redescends. Très bien. Donc, tu emmènes le bassin vers l'arrière, ça étire le fessier. Si ça étire pas assez le fessier, tu descends un petit peu plus sur la jambe. Donc bienvenue aux derniers arrivants. Voilà, ça discute en famille. Allez, les mains sur le genou et cheville et tu remontes tout doucement. Très bien. On relâche un petit peu. Tu emmènes le genou, tu attrapes le coup de pied, donc les lacets de la chaussure, genou vers le sol. Donc on fait quand même pas mal d'exercices, bien engagés, hein, sur circuit cardio training. À vous d'aménager vos intensités, c'est hyper important. Déjà un bloc, c'est très bien. Deux blocs, c'est déjà excellent. Ok, après, le troisième, c'est vraiment pour les sportifs. Ou sinon, tu aménages des temps de pause. T'es pas obligé de tout faire, j'insiste, je répète de nouveau. Inspire, expire, relâche. Oh, la cour avancée, à confirmer. Ok, transverse rentrée. Chacun fait comme il peut, d'accord? Aussi comme il veut, ça marche. Les bonnes postures, puis après tu peux augmenter l'intensité, plus bas éventuellement, ou plus de vitesse. Mais déjà les bonnes postures à chaque fois, c'est hyper important. Ah ouais, j'arrive à faire ci, à faire ça, ouais, mais dos rond, gna gna gna, pas de bassin placé. Après, l'activité me fait mal. Non, c'est ta mauvaise posture qui fera que tu as mal. Et on relâche. C'est pour ça que quand on est fatigué, il y a des gestes parasites qui arrivent. Et c'est là où on peut se faire mal. Pied, écart, bassin, tu avances, tu étires le mollet. Donc j'éveille encore et encore sur la posture. La posture en priorité. Après, le reste. Voilà.
Moi, je préfère perdre du temps sur ça. Et après, on en gagne une fois qu'on est bien positionné. Je reviens tout doucement. Même si j'ai été très compétiteur étant jeune, j'ai toujours cet esprit-là en moi. Et par contre, j'ai aussi le côté sport-santé. C'est que moi, j'ai envie de perdurer. Quand j'avais les jeunes au javelot, pour moi, ce qui m'intéressait, c'était qu'ils lancent pendant plus de 30 ans, 40 ans. Moi, je peux encore lancer au javelot sans me faire mal. C'est ça qui m'importe le plus. Le bon geste efficace pour pouvoir se préserver. Et je reviens tout doucement. Et je le fais pareil dans mes séances, dans les assos en Haute-Savoie. Messieurs, dames, bonne journée. Je pense que là, ça a bien commencé. Si t'étais tardif sur le réveil comme moi ce matin, bah, je pense que là, t'es bien réveillé. Ou peut-être que tu vas aller te coucher directement, je sais pas. On verra ça. Oublie pas de prendre la douche quand même. Voilà, toujours un petit retour dessus. Bien, pas bien, trop dur, pas assez dur. Des petites questions sur les postures, des petites questions sur la méthode. Voilà, il n'y a aucun problème dessus. Je vous fais de gros bec. Voilà, ça c'était au cas où qu'il y ait quelqu'un qui soit du Canada. Voilà, du Québec. Allez, gros bisous à tous. Bonne journée. Bye bye. À ce soir. Ciao, bye bye. Allez. Salut Lily, qu'est-ce que tu fais que maintenant à nous regarder? C'est juste pour voir ma beauté éternelle, c'est ça? Allez, gros bisous à la famille, gros bisous à tout le monde. Allez, à plus, ciao.